Good morgen, allez, Iden, les sucera aujourd'hui le Nishmat, Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Rachel Batsara et Avraham Ben Shusham. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étions à Sechat Rosh Hashanah, Père Kalef Mishnah Tet, Mishera et Achodesh, Venu Yachol Lehalech, Molichin Oto Al Achamor, Afilu Bamita, Vim Tzode Lahem, Lokrim Beyadam Aklot, Vim Aita Derech Rechoka, Lokrim Beyadam Mezonot, Shal Mahalach Laila Vayom Mechalelin et Hashabbat Veyotzin Ledut Hachodesh Shenemar Ele Moade Hashem Asher Tikriu Otam Bemo Adam. Mishera et Hachodesh, celui qui a vu le renouvellement du cycle lunaire, Ve'eno Yachol Lehalech. Et il n'a pas la possibilité de partir, il a mal au pied aujourd'hui, il a les genoux bloqués, il a des problèmes de cartilage, ce que vous voulez, eh bien, molichin oto al achamor, on le fait monter sur un âne et on lui dit, vas-y, pars avec l'âne. Marche, laisse l'âne marcher à ta place. Afilo bamita, même si le pauvre il était alité, on parle que tout le monde était en train de s'occuper du malade, lui, il était par la fenêtre, il a vu le renouvellement lunaire. Et c'est le seul, personne d'autre qui a vu, maintenant il est obligé lui de partir. Et comment on va faire, il est alité, eh bien, on va mettre le lit sur l'âne et il va partir avec l'âne. D'accord? Veim tzodelaem, et s'il y a des. Tzodelaem, c'est qu'il y a des. On les, il y a des. Comment dire? Des brigands sur la route. Aucun problème. Le crème beyadam maklot, on prend des bâtons. On va prendre des battes de baseball. Chacun y prend des. On va faire sortir un régime entier pour aller apporter le témoignage à Yerushalayim, ou là où se trouve le Bedin pour. Le Bedin Agadol pour. Le camp de la génération pour pouvoir juger et décider du renouvellement lunaire. Et c'est une très longue route, eh bien, l'okrin meyadam, mais sans doute, on prend aussi à manger, on fait des sandwichs pour tout le monde, pour tous les gens qui ont porté le lit avec les bâtons, si c'est nécessaire, on fait des sandwichs pour tout le monde. D'accord? Pourquoi? Et la Mishnah conclut en me disant, Shalma halach laila vayom, car pour une distance de une nuit et un jour, même si ça va te prendre 23 heures d'affilée de marché, là, tu l'as vu à la tombée de la nuit. Tu vas prendre demain, tu vas arriver juste avant la Shkia. On verra qu'après Khamim, on est décalé, qu'à partir d'un certain moment, on ne reçoit plus les témoignages. Mais en tout cas, en théorie, même pour 20 heures, 22 heures de marche non-stop, de galop, à cheval ou en âne, eh bien, il faut transgresser. Il faut transgresser Shabbat si c'est Shabbat, si c'est Khol, il va falloir se prendre la tête et partir et tout quitter, et puis partir le plus vite possible pour qu'on puisse décréter le jour de Rosh Chodesh au moment où c'est le moment de le décréter, où on a vu le renouvellement lunaire. Shalmehalach, yol laila vayom, car pour une distance de une nuit et un jour, mechalelin et à Shabbat, on transgressera même le Shabbat si c'est nécessaire, veyotzin leedut achodesh, et on sort pour apporter le témoignage sur le renouvellement du mois. Shenemar, comme nous dit le verset, et les mois d'Hachem, telles sont les fêtes d'Hachem, les célébrations d'Hachem, asher tikreu otam, que vous appellerez, donc que vous déclarerez, Bemo Adam, lorsque ce sera le moment. De là, on déduit chaque fois que vous voyez le mot Bemo Ado dans la Torah sur une fête, ça signifie que tu accomplis la mitzvah, même si c'est Shabbat, tu accompliras la mitzvah, même en transgressant, parce que c'est Bemo Ado, le Korban Tamid, comment ça dit, Tzabed Mitzvah, et Korbani Lachmin Eshai, Tishmeru Lachrivli Bemo Ado. Il y a marqué de nouveau le mot Bémoado à son moment. Lorsque c'est le moment de le faire, tu le fais, même si c'est Shabbat, tu transgresses. La mitzvah d'accomplir, elle est plus importante que le Shabbat repoussé devant cette mitzvah-là. D'accord? Donc, du coup, de là, on déduit aussi de nouveau que fixer les fêtes au moment où c'est le moment de le faire, on a besoin de vous pour témoigner aujourd'hui à Rosh Hashanah, pour que le 15 du mois, on pourra établir que ce sera Pessah. Bémoado, tu transgresses Shabbat, tu vas et tu témoignes. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.